joyeux Halloween! Ce soir, on vous embarque dans notre soirée d'Halloween et sachez que ce sera un enchaînement de gages horrifiques. Laissez-moi vous dire que j'ai vraiment, vraiment peur de cette soirée. On a un invité spécial avec nous, c'est Youssef, c'est un très bon pote à nous qui kiffe l'horreur et le paranormal. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir comme gage, je flippe ma race. Voilà, il sait pas du tout ce qu'on a écrit comme gage. Amandine, elle a écrit des gages, moi j'en ai écrit d'autres, je connais pas les siens, elle connaît pas les miens. On va avoir une petite boîte dans laquelle piocher nos gages et oh là là, on va vous embarquer avec nous. J'espère que vous allez kiffer cette soirée. C'est parti, vous êtes prêts? Super. Allez, un dernier mot. J'espère que ce soit pas notre dernier Halloween. C'est parti. Donc on a préparé, comme je vous l'ai dit avant, nos petits gages, on les a mis dans cette boîte et comme ben, j'ai un peu insisté pour organiser cette soirée, je pense que le premier gage il va être pour ma pomme clairement. Ouais, d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Allez, courage. Ah, quel gage vais-je tirer? J'ai pas envie de tirer un des miens en fait. Hein. Oh, les miens ils sont pas mieux. Hein. Attends. Ah, c'est un des tiens ça. C'est un des miens là, non? Merde, tu peux me tenir ça? J'ai pas de papier. C'est un des tiens? Ouais, je les crois parce que moi j'ai pas de papier. Oh non. Faire une séance de Ghost Tube Voice seul dans un bunker les yeux bondés. Ah, c'est génial. C'est génial. Elle va ressortir possédée là, meuf. C'est bon. Putain. Je suis pas prête du tout. Les yeux bondés. En fait, ouais, je vous explique juste un truc. Ouais. Ça donne plus de sensations. Voilà, en fait, je vous explique juste un truc. Déjà, quand je fais mes enquêtes avec Amandine, des fois, on utilise les Spirit Box, autant sa Spirit Box à elle, autant Ghost Tube Voice, etc. Et franchement, même si on a encore des doutes, etc., sur cette application, il y a des trucs qui étaient grave concrets. Et en fait, quand j'étais seule avec Amandine dans un bunker, j'ai déjà été super mal. On a déjà été très mal. Amandine, tu te souviens même quand... Bref, on a déjà eu des mal-êtres, même physiques, pour vous dire, émotionnels et physiques. Franchement, c'est abusé, ouais. Et en fait, je m'étais dit que dans nos prochaines enquêtes, j'aimerais bien tester le fait de genre cacher la vue, cacher... En fait, ouais, c'est ça, pour augmenter un petit peu nos ressentis. Ouais. Et je me suis dit que c'était la parfaite soirée pour essayer. Et c'est pour ma pomme. Et tu vas poser des questions. Hein. Mais ouais. Et combien de temps alors? J'ai pas noté le temps. Une petite, on va dire, on va faire une petite séance de 5-10 minutes. Hein. Voir au fini comment ça se passe. Genre si c'est pas du tout concret et tout, mais oh, je sais par contre. Vas-y. Je te montre quand même. Je connais pas bon. Du tout, alors, je sais pas. Ouais, là on en a trouvé un. Il y a encore des choses à Amandine qu'on connaît pas à la colline. Hein. Bah, quoi, c'est trop cool. Hein. Moi, je dis, moi, je pas. Oh putain, c'est quoi? Oh putain. Ah non, c'est juste ça. Non, ah non, il y a des entrées cool. Non, là, c'est des pièces. Hein. Bah vas-y, je vais le faire là alors. Ouais, c'est, c'est crade. Ah oui, c'est le là, ouais. Mais va tout au fond. Voilà. Oh mon dieu. Ouais, je l'ai réglé, c'est bon. Ah non, il était pas. Ça voilà. Filme ouais, attends, je vais juste prendre ma lumière pour me casser. Allez, bon courage. Ah non, je suis pas bien. Attends, c'est bon. Et je vais mettre le bonnet sur mes yeux, je sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Ok, bonsoir à tous, si quelqu'un m'entend ici. Je viens vraiment amicalement et avec tout mon respect possible, ne vous inquiétez pas. S'il y a une personne autour de moi qui m'entend, sachez que je vous invite à pratiquer un petit contact audio avec moi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un a un message à faire passer? J'ai l'air d'une folle avec mon bonnet là, putain. Je vais toucher mon collier là, je suis pas bien. Amandine a m'offert ce collier. Bien sûr. Est-ce que si quelqu'un est à côté de moi, est-ce que je pourrais avoir un prénom? Comment vous vous appelez? Hanté. Oh mon dieu, hanté. Est-ce que vous hantez ces lieux? Ma parole, je prends mon bracelet en main là, que Youssef m'a offert. Est-ce que vous hantez ces lieux? Mon bracelet, il est où? Oh non. Il est là-dedans. Est-ce que quelqu'un hante ces lieux? Est-ce que ce lieu est hanté? J'entends du bruit autour de moi. Oui. Oui? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour passer, pour partir d'ici? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour partir d'ici? Putain.
J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, en fait. J'ai pas l'habitude de faire ça toute seule. Rassurez-vous, je suis pas ici pour vous embêter, je suis pas une menace. Avez-vous besoin d'aide pour partir d'ici? Est-ce que vous êtes bien ici? Êtes-vous heureux dans ces lieux? Est-ce que vous êtes une femme? J'ai l'impression d'avoir la présence d'une femme autour de moi. Est-ce que vous êtes une femme? Y a-t-il une femme qui hante ces lieux? Bien sûr. Oh. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? En train de te regarder. Oui, c'est exactement ce que je chantais aussi. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Je suis un petit peu stressée, là. J'ai pas l'habitude de contacter des entités. Piégée. Oui, toute seule, d'accord. Piégée? Vous avez été piégée? Comment vous sentez-vous? Je viens de vous le dire, oh mon Dieu. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes piégée ici? Au revoir. Ah, d'accord. Non, merci à vous d'avoir merci d'avoir communiqué avec moi. Au revoir. Ok, d'accord. Sophie. Oh. Au revoir, Sophie. Mon Dieu. Merci encore, Sophie, d'avoir communiqué avec moi. Je vais remballer mes affaires. J'espère que vous n'êtes pas piégée ici, toute seule. Et je reviendrai potentiellement avec Amandine pour vous aider à partir. Oh mon Dieu. Alors? Sophie. Sophie? Apparemment, il y aurait une Sophie. Ouais. Et franchement, les réponses étaient plutôt concrètes. J'ai demandé, est-ce que du coup, vous hantez ces lieux? Ça m'a dit, bien sûr. Putain. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez besoin d'aide pour passer? Je sais plus si à ce moment-là, ça m'a redit oui. À un moment, j'ai posé une question, ça a redit oui. Et j'ai dit que j'ai l'impression, je sens une femme, c'est une femme ici, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes une femme? J'ai eu bien sûr. Et après, j'ai dit, je peux avoir votre prénom? Et après, ça a dit au revoir. J'ai dit ok, merci d'avoir parlé avec moi, franchement merci beaucoup, ça fait Sophie, j'ai dit ok, au revoir Sophie. T'es où? Et j'étais stressée, hein. Je peux vous dire que je me suis cramponnée au collier. Amandine, tu m'as offert un collier, ouais. Et Youssef, tu m'as offert un bracelet. Je peux vous dire que j'étais clairement cramponnée à ça, d'accord? Et j'avais le cœur dans les godins, j'ai pas l'habitude de faire ça toute seule. Ok, c'est parti, on va aller piocher le second gage. Mon Dieu. Ouais. De ouf, c'était vraiment stressant. Ok, c'est parti, j'ai fini mon premier gage. Et maintenant, je vais laisser Amandine et Youssef se faire une petite battle de papier. Bras de fer! De bras de fer! C'est injuste! Non, ouais, non, t'as raison, je vais perdre. Vas-y. Je vais perdre, t'as raison. Vous allez faire un traditionnel papier caillou-ciseau pour savoir qui va toucher le prochain gage. Ok. Deux. Un, deux, trois. Bah, dites pas papier caillou-ciseau si, ou quoi allez. Là? Allez, on recommence. Papier caillou-ciseau. Ah! Ça vous a influencé ou quoi là? Papier, caillou, ciseaux. Ah, c'est Youssef. Laisse prendre ma place, vas-y. Allez. C'est parti. Pas du tout stressé, je suis vraiment serein. Ça se voit. Pas du tout. Pas du tout. Oh, il a l'air gros celui-là. Il a l'air gros celui-là. Ouais, ça m'en a l'air déjà. Oh là là. Oh, là, c'est un d'Amandine ça. Ça, c'est pas c'est moi qui ai fait cette feuille. C'est la dame blanche. Seule dans la forêt, dire cette incantation. Attends. Et attends 2 minutes dans le silence. Seule dans cette forêt, je veux voir dès maintenant la dame blanche. Des contrées, je suis prête. Non. Je suis prête. J'affirme le côté féminin. À lever le voile. De la vérité. Ouais. Tu vas appeler la dame blanche dans la forêt. Ouais. Tu sais quoi? Genre, ouais, on va te laisser ici, là. C'est parfait. Attends, je bosse un coup. Plou, allez, well. Bon, ok, ça filme. Allez, à toutes. À toutes. On fait comment? Vous revenez me chercher? Dès que c'est bon? Bien prêt. Qu'est-ce que je fous là? Putain, non.
je me retrouve seul à devoir faire une incantation, bordel de merde. Bon ben là ils sont partis, il n'y a personne. Hein. Je vous avouerai, il y a une ambiance. Bon, ben, il reste incantation. Hein. Seul dans cette forêt, je veux voir dès maintenant la dame blanche des contrées. Je suis prêt à lever le voile de la vérité. Il n'y a personne pour l'instant, on va recommencer. Seul dans cette forêt, je veux voir dès maintenant la dame blanche des contrées. Je suis prêt à lever le voile de la vérité. Zéro bruit. Hein. Il y a quelqu'un ? Le cliché de film d'horreur, incroyable. Ça va être long, 2 minutes. Hein. C'est pas le plus flippant. J'avoue que la forêt, ça me fait pas tellement flipper. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, quoi. Toujours personne pour le voile de la vérité, là. Il y a personne derrière moi. J'espère. Ça serait ouf. Ça fait 2 minutes. On va essayer de rejoindre tout le monde. C'est bon? Alors Youssef? Bah, franchement, c'était pas très fou. Okay. En gros, il y avait une ambiance. J'ai peur d'être seul en forêt. C'était... Ouais, mais moi j'ai l'habitude. Ouais, c'est vrai. Genre le soir, la forêt, ça fait pas trop flipper. Ah oui, l'incantation, ça fait un peu charmed. C'est un truc cheap sur internet. C'est clair. C'était tout aliwell.com. Okay. Mais sinon, non, pas trop flipper parce que c'était très calme, il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit, pas de traitement, des trucs comme ça. D'accord, ok. Très calme. Bon, c'est sûr que pour quelqu'un qui est habitué à la forêt, c'est pas pareil que. Moi, personnellement, j'aurais déjà eu plus les boules, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est un événement différent. Ouais. C'est ça, au moins, t'as essayé. Mais c'est bien. Tu l'as fait et ça se trouve, on verra des choses sur le montage. Hein. Bah, j'espère. J'ai filmé derrière moi s'il y a un truc. Écoutez au casque. Hein. Écoutez toute cette vidéo au casque hein, si vous pouvez. Il y a peut-être des bruits cachés parmi toutes les demandes de contact. Hein. Ouais. Bon, ben, il reste plus que moi. C'est à ton tour, Amandine. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Je déteste. Attention, j'en chope un au hasard. Ah, c'est Julia. Non, je ne veux pas. Merde. La non, mets-le en bouche, mange-le. T'as ta lampe? Oui. Ah! Faire une séance de baguette dans le mur, trou au-dessus de la chaise. Oui, mais du c'est coup, le bunker qui est de l'autre côté. Ouais, mais du coup, on pourra pas le faire parce qu'il est trop loin celui-là. C'est pas grave, tu fais une séance de baguette dans un bunker qu'on juge effrayant. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est stylé. Donc, okay. on va chercher un autre bunker. Ouais. Et bah là, on en a pour un bon 20 minutes de marche. Tout ça, on va chercher un bon bunker et on va faire une séance. Allez, c'est parti. C'est parti. Go! Go. Attention! Au pire, je suis tombée sur les fesses! Ouais! C'est pas grave! Ok! Voilà, ah, attends, c'est une baguette du coup! Oui, je suis là! Tu m'accompagnes, tu sors vers ça ou? Oui, je t'accompagne! Okay. Et après, je pars! Ok, c'est bon! Oh. Ah, mais il est horrible celui-là! C'est quoi? Oh, c'est un grand hein! Oh, mais il y a un truc de lit comme ça! Oh mon dieu! On va voir l'intérieur? Bah ouais. Ah oui. Ah mon dieu. Ah, il y a quoi les gars? Il y a des puces. Regarde. Hey. Vas-y, c'est pas grave. C'est quoi ça? De toute façon, on est au courant qu'on recherche jamais un dème de la colline. Hey. Vas-y, oh mon dieu, c'est pas des puces, c'est. Oh mon dieu. Wow. C'est quoi? Ah, des cloportes. Attends, je les connais, celui-là, ou pas? C'est des cloportes. Ah, c'est des lignum. C'est. Je veux dire, regarde-moi ça. Mais c'est celui. C'est pas celui. Mon dieu. On le connaît pas celui-là? On le connaît pas. C'est plus le tout là. Regarde. Délirium. Y'a quoi là? Vas-y, vous voulez pas qu'on vérifie qu'il y a personne? Bah attends, c'est pas ce qu'on se fait. Ouais, je suis là, t'inquiète. Regardez. Regardez. Ah, oh. Oh là là, c'est un truc nazi là. Oh, bah putain. Non, c'est des gens qui ont dessiné ça, du coup c'est... Oh mon dieu, ça fait peur. Y'a quelqu'un? Des gros connards. C'est pas vrai que c'est ouais. T'as des géants dessus, mais il est grand mon dieu, je connais pas. Oh mais putain. Ah, charge. Y'a des chiottes ici. Ouais. Attention, ça va trop ça. Non, c'est des petits trous. Vas-y, je vais trop aller voir là-bas. C'est quoi ce bunker de fou là? Ah, c'est un truc. Ah, vas-y, on dirait le bunker, on a.
Bah, on dirait, tu te rappelles celui où on était tous. Ouais, on dirait. Mais en fait, il est beaucoup mieux. Le studio est trop bien sûr. Et on le connaît même pas. Le plaisir de vous annoncer l'ouverture des données historiques. Ok, d'accord. Par contre, il y a beaucoup de trucs nazis. Oh, quoi ? Il y a vraiment des connards. Hein. Eh, mais il y a que des trucs nazis. Ouais, vraiment des connards. Et là, des skins et tout. Des skins qui viennent là squatter. C'est horrible. Il y a vraiment des skins encore qui viennent. Je sais pas, moi je croyais que c'était démodé les skins quand même. Hein. Non mais. C'est plus la mode les gens, pas ouvert, non ? C'est salopard ça. Ouais, franchement. Putain. Vive Le Pen, FN. Putain. C'est horrible. On peut savoir ? Mais je nous emmène des gens aussi pour les. Je sais pas, mais à mon avis, je devrais pas être invité. Joyeux 2006. Je te souhaite un joyeux anniversaire, tonton Gaf. Gaffe. C'est quoi ça, putain? Ah, ça fait peur. Ouais. Bah, tout con, on va te laisser là-dedans. Non, non, je vais être l'un des premiers là-bas, je pense, comme ça. Non, hein. Bah, au fond, vas-y, moi je suis. Ah, une belle araignée là. Ouais, mais ils n'avaient pas autant de portes. Ah, ouais, putain. Bon, bah, Amandine, on va te laisser. Hein. Comment te dire cœur neuf. Bonne chance, quoi. Regarde, on était au milieu. Okay. Allez, au revoir, Amandine. Au revoir. J'ai peur. Ah, Youssef, tu fais trop peur. Oh, bonne chance. Chut. Pourquoi tu fais ça? C'est horrible. C'est horrible. C'est atroce. Il y a une entrée là, il y a une entrée derrière vous, il y a une entrée là, il y a plein de petites entrées partout, c'est juste une horreur. J'attends qu'ils partent. Ok. Donc je suis dans ce bunker. Si jamais il y a quelqu'un avec moi, n'hésitez pas à croiser les baguettes. J'ai les mains qui tremblent, c'est une horreur. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Et donc je fais un premier contact. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce? Y a-t-il une entité avec moi? Pas du tout combien de temps ça va me prendre de faire tout ça. Je n'ai jamais fait de contact avec des baguettes avant, donc je ne ressens pas d'électromagnétique pour le moment. Y a-t-il une âme perdue ici qui voudrait communiquer avec moi? Je ne suis pas méchante. Ou bien au contraire, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Y a-t-il un esprit qui est avec moi ici, dans cette pièce, dans ce bunker? Si oui, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Je ressens pas d'électromagnétique autour de moi. C'est marrant, je ressens rien, pour le moment en tout cas. Ça fait peur quand même, j'ose pas trop. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec moi et avec les baguettes, s'il vous plaît? Alors c'est marrant, mais par rapport à tout à l'heure, je ressens une chaleur dans les mains. Ouais, je ressens une chaleur bien plus importante là pour le coup. Y a-t-il un esprit qui veut communiquer avec moi? Si oui, vous avez simplement à bouger les baguettes, à les croiser si c'est possible. Allez-y, approchez-vous des baguettes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous êtes là, n'ayez pas peur. Ouh, j'espère que c'est bientôt fini parce que je vous avoue que ça fait flipper quand même.
Non, allez, j'ai pas peur. Je le fais souvent chez moi, à la maison. Je suis souvent en contact d'esprit, en vrai. C'est juste le lieu qui est un peu plus effrayant, c'est tout. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur de vous, les esprits. Bien au contraire. Je vous accueille. Si vous êtes là, si vous êtes près de moi. Allez-y, touchez les baguettes. Je sens pas grand-chose. Ah ouais, quand même. Bon, bah allez, je vais finir mon... ma demande ici. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, merci quand même de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Je vous laisse, bien entendu, retourner à vos occupations. Que mes guides restent avec moi, quoi qu'il arrive. Je coupe ce contact. Merci. Ah, j'ai terminé! Ouais, vas-y, ouais. Allez, on passe par là? Ouais, ouais, je crois. C'est horrible, okay. Voyons. Ah, elle est plus là! Ah non, elle est partie, j'ai pas de grosse araignée ici, j'ai quelque part. Ah, quelle horreur. Il y a plein de bêtes. Oh mon dieu. Attends. Ah ouais, quand même. Ah wow. Ça va pas du tout, Amandine. Wow. C'était bien. Alors, t'as eu des résultats? Alors, j'ai pas eu de contact. J'ai pas eu de contact, malheureusement. Non. Non, j'ai rien eu du tout. C'est pas vrai. Alors, par contre, au début, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Normal. Ouais, donc en gros, voilà, la seule chose qui fait flipper, comme je disais, c'est le fait que ça soit grand. Ouais. Qu'en plus, je connais pas les lieux. Mais c'était horrible comme lieu. C'est quoi ce putain de lieu nazi? Ouais, c'est ça en fait. C'est le contexte. Dégueu, voilà. Mais après, sinon, en termes de contact, malheureusement, j'ai rien eu. Ok. J'ai juste senti les mains qui chauffaient énormément à un moment donné. D'accord. Mais les baguettes ne se sont pas croisées, malheureusement. D'accord, ça marche. Voilà. J'ai quand même hâte de voir. Après, c'était rapide quand même. J'ai envie de te voir flipper dans le bunker quand même. Voilà, voilà. Allez, on va chercher un endroit pour piocher le prochain gage, non? Ouais, c'est parti. Oh non, c'est à mon tour. Ouais, oui. C'est pareil, on n'est pas groupé. Ah, mais c'est pas comme ça, c'est tout. Là. Il y a eu un bruit, ça a couru dans la forêt là par contre. T'es sûr? Quoi? Non mais attendez, moi ça me fait pas. Ah, c'était énorme les bruits de pas là. Non, par contre là je suis désolée à mon désir. C'est un oiseau en fait. T'es sûr hein? Passe-moi la lumière en mode. J'entends vraiment du bruit là derrière moi. Putain de merde. En plus c'est dangereux, Amandine elle se fait péter la gueule et tout. Je vois un truc là-bas dans le bois. C'est quoi? C'est quoi? Je vois rien du tout. Je sais pas, c'est parti. C'est là, derrière les buissons devant. Non, c'est rien ça. Ça, c'est des bizarres. Mais on devrait partir au lieu de regarder, vous croyez pas? Genre, on part? Allez. Non, mais... j'ai de l'eau. Toutes mes chaussettes, elles sont dans En plus, on tu sais que j'ai râlé il y a 2 secondes, Julia. Allez, deuxième partie de cette vidéo. On a tous déjà réalisé un premier gage. Ouais. C'est parti pour le deuxième. C'est de nouveau mon tour. J'ai pas envie. Je vais bien tourner. C'est très... Allez, ça se passera un simple. Ouais. Ouais, je sais pas. Hein. Putain, c'est un petit papier. C'est à toi. C'est à moi? Ouais, ouais. Oh non. C'est quoi? Ah, c'est à toi, moi. Ah, ouais. Ah oui, je vois, c'est quoi? Appeler Zozo le démon à la planche, je suis déjà Amandine. Mais tu veux ma mort? Quoi? Ah ouais, je suis content que tu es tombé dessus. Hey, mais tu veux que je meure? Je t'aimais bien, Julia. Bon courage. Alors déjà, c'est vrai qu'on a parlé de la planche Suja et je trouve que c'est vraiment une idée de merde. Parce qu'il faut pas jouer seul, je te signale. Ouais. J'ai aussi fait un gage à la Ouija et dans ma tête je me suis dit on va le remplacer par le pendule. Ouais. Bah au pire remplacer avec le pendule. Non. Elle a tiré. Elle a tiré, non, je fais du Ouija. Putain. On doit pas jouer avec les démons. Pas jouer. C'est qui Zozo? Tu connais pas? Non. Le démon Zozo? Non, ça il me dit est rien. Hyper connu. C'est... Ouais, il est très connu. C'est le démon de la Ouija en gros. Ah ouais, quoi. Ouais. Ça alors en fait, après moi personnellement j'y crois pas. Maintenant ouais ça me fait pas peur. Non mais par contre il y a beaucoup de gens là-dessus et beaucoup de gens en parlent. Voilà. En fait comme il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé de contacter Zozo, en fait c'est un petit peu genre comme s'il y avait un égrégore très négatif autour de ce truc de merde. C'est ça en fait. Et moi je crains plus l'égrégore très négatif autour de ça. Mais crois en fait. Mais s'il croit pas là. Mais j'y crois à l'égrégore. Ah bah merde. Tu fais ça où? Bah, t'as fait rester là sur le banc. Ouais. Mais on est devant quoi là? Sera protégé si par tu la crois à ça.
Bon, et bon, par contre, faut quand même, on n'a pas pensé à un truc avant de faire les gages avec la Uja. Oui. C'est que souvent, ça prend un max de temps de faire une Uja ça, quand c'est même. Vrai, c'est alors, vrai. Je vais essayer. Ouais. Et je propose que si j'ai pas de résultat, j'essaye quand même de swiper avec soit les baguettes, soit le pendule. Si tu veux. Un des deux, on verra. Bah, déjà, on commence par la Uja, c'est parti. Allez. Bon, ah, mon dieu, c'est une très mauvaise idée. Bon, bah, Julia. Non. Respecte bien les règles. Non! C'est très important. Mais je les respecte pas en jouant seule! Ah mon dieu! Allez, on se casse! Je respecte déjà pas les règles en jouant seule en fait. Non, j'ai déjà vu plein de gens le faire, hein. Ils sont pas morts. Je suis en train d'attendre que tout le monde s'en aille là. Au revoir! Oh! Le stress. C'est ton ami sincère que je me présente aujourd'hui. Je commence cette séance de contact pour essayer d'obtenir un contact avec Zozo. Zozo, le démon. Je fais cette séance de contact pour appeler Zozo. Le démon. Zozo, si tu entends mon appel, je ne sais pas si tu existes vraiment et je ne sais pas si tu es un mythe, je ne sais pas si tu es réel. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes ont tenté de t'appeler. Et apparemment, tu as laissé beaucoup de messages, beaucoup de manifestations. Ce soir, j'essaye d'avoir un contact avec toi pour prouver la véracité de ton existence. Et de l'existence des démons même d'ailleurs. On m'a donné pour gage, Zozo, de te parler, de t'appeler, de te laisser guider ma goutte sur la planche Uija. Donc j'appelle Zozo le démon, ou son égrégore négatif qui l'entoure, son égrégore très puissant, pour venir diriger cette goutte et me répondre. Y a quelqu'un? Putain, c'est un animal. Je vois rien, je suis aveuglée par la lampe. Putain. Je veux pas me faire foncer dessus par un putain de sanglier. Si tu es là, est-ce que tu peux guider la goutte? Est-ce que tu peux me dire oui, je suis là? En allant vers le yes. Je crois qu'il y a un putain d'animal autour de moi. Je suis aveuglée, je vois rien. J'ose même pas lâcher la goutte. Je peux même pas attraper la lampe. Y a quelqu'un? En vrai, je suis en train de paniquer s'il y a quelqu'un qui m'observe, mais c'est moi la chelou avec ma planche Uija là. Bon, je sens rien dans mes mains. Je ne sens pas cette espèce de chaleur accompagnée des picotements, cette montée d'énergie que j'ai dans les mains et les doigts. Quand je fais une séance de contact avec réponse, bien sûr, là, je ne sens aucune réponse, je ne sens rien du tout. Bon, Zozo, s'il y a vraiment un démon qui s'appelle comme ça et que j'ai appelé, je tiens à te dire au revoir, je te souhaite une bonne soirée. Je vais sur le goodbye et je vais essayer de contacter quelqu'un d'autre, vu que j'ai aucune réponse. Au revoir. Je fais quoi moi, s'il y a un sanglier, je cours là-dedans. Ouais. Putain de merde. Qu'est-ce que je fais là toute seule? Je vais tenter une autre séance de contact avec les baguettes vu que j'ai absolument rien ressenti dans mes mains, mais je m'en doutais un peu. Je crois pas forcément à ce démon qui est très connu. Par contre, j'avais un petit doute sur le fait de jouer seul à la Uija et de son égrégore négatif. Putain, croyez-moi que je ferai des purifications à la maison. En attendant, je vais essayer de faire une séance de contact vu que c'est le gage qu'on m'a donné. S'il y a des personnes autour de moi qui m'entendent, s'il y a des personnes dans cette forêt qui ont vécu aux alentours, qui ont peut-être décédé dans cette forêt,
S'il y a des personnes qui se sentent bloquées ici, je vous invite à m'approcher et à venir toucher les baguettes pour essayer de les dépasser. S'il y a une personne autour de moi, est-ce que vous pouvez croiser les baguettes? Le but est bien sûr de vous servir un petit peu de mon énergie hein, avec cet instrument ensemble. Essayez de toucher mes mains, essayez de toucher les baguettes. Donc s'il y a des personnes qui m'entendent, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Juste pour me signifier de votre présence. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça toute seule en forêt par contre. Et au passage, je sens que je me fais bouffer par les araignées. Horrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec moi ce soir? Putain, j'entends des bruits là derrière. Il y a un putain d'animal dans la forêt, je vais me faire bouffer devant cette vidéo. Putain, je suis pas bien. Il y a rien ici, j'ai absolument aucun contact ici. Mais rien que d'essayer toute seule en forêt, ça fait vraiment flipper. Mais j'ai surtout peur des animaux là tout de suite. Y a-t-il une personne qui m'entend, qui souhaite communiquer avec moi, qui souhaite toucher les baguettes? Ça se déplace dans la forêt. Ils sont en train de revenir et j'arrive bientôt à la fin de mon gage. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis là. Ah, mais putain! Je me suis pris un papillon dans la gueule, merde. Est-ce que je vais arrêter et je vais chercher les autres? C'est chaud. Alors, Julia. Alors, le débrief. Franchement. Résultat par résultat. Bah, un peu décevant, j'ai pas eu de contact à la Ouija déjà. Et t'es déçu? Bon, ouais. T'aurais prévu que Zozo il vienne te posséder, elle est folle. Non. Quoi, il fait ça quoi, il vient? Bah oui. Quoi? Bah oui. Il y a moyen. Je croyais que j'aurais un contact normal à la Ouija, toi tu. Ah, je sais pas, tout dépend de toi, ce que tu vis dans le monde des bisous. Donc. Mais elle est folle cette meuf. T'aurais pas Zozo, ça allait être ton ami, c'est Casper. Bah ouais, je pense ça. Bien. Je pense c'est un contact à la. C'est un démon, merde. Mais oui, mais il vient de pas voir. Oh, et puis merde. T'as contacté un démon quand même. Bref, bah on va faire des purifications à la maison quand même. Sur toi, surtout. Moi, je contacterai un imam pour elle. Voilà. En fait, en gros, j'ai rien senti dans les mains et tout. C'est comme quand on sent qu'on a un contact qui se passe, oui. Tu sens une chaleur, des picotements, quelque chose qui. Il n'y avait rien de rien, ouais. En termes de sensation déjà. D'accord. Donc après, au bout d'un moment, j'ai abandonné, j'ai quand même dit au revoir et tout. Ok. Ensuite, j'ai hésité, j'ai dit non, vas-y, je reprends pas la Ouija. J'ai testé les baguettes et là, pareil, mais j'ai rien senti. T'as rien senti tout. En plus, j'étais vachement centrée sur les bruits de la forêt parce que de ce côté-là, oui. J'entendais que des bruits et je me dis, soit il y a un putain de sanglier. Soit il y a quelqu'un qui sont. Quoi? Ou soit il y avait un esprit. Ah non, je pensais plus à quelqu'un qui me pranquait et du coup en fait. Bah non, parce que nous on était complètement bah, de l'autre côté. Bah en fait, j'ai pris la lumière plusieurs fois et je me suis dit est-ce que je vais prendre la lumière et voir quelqu'un, mais pas du tout en fait. Oh mon dieu! Et c'est ça qui m'a fait peur parce qu'à chaque fois il y avait du bruit, au bout d'un moment je prenais la lumière, je regardais, il y avait personne. Ah non! C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, s'il y a un sanglier qui me saute dessus, je vais là-dedans. C'est pas je con. Monte là-dedans en fait. Ouais, c'est pas con. J'ai une sécu derrière moi, tu vois, et j'aurais crié pour que vous reveniez. Ah bah oui. Enfin bref. Trêve de bavardage, mon gage est fini. Même s'il n'y a rien eu, bah moi j'étais quand même un peu flippée de faire ça toute seule en forêt. Et en plus, il y avait des bruits. Et maintenant, je suis bien contente, ça a dit ça de piocher. Oui, c'est à toi, ouais. J'ai déjà fait. Oui, une fois, ça y est. Vas-y. Ouais, Amandine, ouais. Et voilà, le monsieur. Petit pot de la malchance. On va l'appeler comme ça. Le petit pot de la malchance. Pas mal, ça. Attention, quel est son gage? Alors. Déjà, c'est qui a écrit ça? C'est tout petit. C'est moi. C'est toi, ouais. Ouais, c'est moi. Il a écrit attention. Ouija. Pourquoi? Ah. Faire une demande de contact seul devant la croix. Oh. De Gérard. Oh putain. Ouija. Oh mon dieu. La croix de Gérard déjà. Bah en fait, au milieu de la forêt, il y a une croix. Il y a aucune explication. C'est une croix humaine. C'est pas une croix. C'est pas un monument, un truc comme ça. Il y a marqué Gérard dessus. Il y a une date. Il y a marqué Gérard avec une date. On sait pas qui c'est. Ah ouais, mais moi je suis pas trop Ouija, putain. Ah bah ça. Ah bah zut alors. Dommage. Et bah c'est parti. Ça doit être un maximum 10 minutes de marche. Faut juste qu'on le retrouve parce oui, que on n'est pas loin. On s'est déjà perdu plusieurs fois. On n'est pas loin du truc, ouais. On n'est pas loin, mais si on se perd, on est loin. Oui, ça c'est vrai. On peut pas faire un appel à un ami ou demander un joker. Nous ne sommes pas dans le milieu. J'appelle un ami. Tu vas appeler un ami, t'inquiète pas. Gérard sera ton ami. Ouais. Ça va être ton ami.
porte. Oui. Ouais, je me souviens qu'on rentre toujours par là, le terrain militaire, la défense d'entrée. Tu parles. Ouais, tout rentré. Mais par contre, ouais, des fois on a trouvé facilement, c'était pas loin. Des fois on a fait des sales détours, tu vois. On va passer de ce côté-là. T'es sûre, Amandine? Non. Attends, il y a déjà un chemin là-bas. C'est un boucle comme ça, donc t'inquiète. D'accord. Attendez les garçons, allez pas trop vite. Hein. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression que c'est là. Il y a des animaux, n'oublie pas qu'il y a deux secondes, je pensais qu'il y avait des sangliers et tout. C'est vrai. Tu sais plus. Wow. C'est pas ce côté-là tout simplement? Ouais, je crois. Quoi? Ouais. Regarde vers là-bas. Non, c'est pas là-bas. Là, ça a l'air fermé. Il y avait un chien ou pas? Ouais, je suis sûre. Je pense aussi que c'est là-bas. Ah. Ouais. Moi, c'est la forêt, la nuit, c'est très dur. Hein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros arbre, donc c'est pas génial pour les bichettes. Hein. Ah! Quoi? Pardon. J'ai mis les mains dessus et il y a plein de trucs bizarres collés là. Ah! Mais comme t'as hurlé, putain! Mais j'ai fait des vidéos et des photos ici avec Plume, j'étais là avec lui. Oh mon dieu! Quoi? Non, tu vas toucher ça. Il y a quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Dégueulasse! Qu'est-ce que t'as? Regarde tout ce qu'il y a en dessous là! Il y a quoi? Vite! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez, putain? T'es prêt, Youssef? Parce que tu sens qu'on approche. Non. Oh, pardon, je t'aveugle. Ça s'entend, ça arrive, tu sais. Gérard, où es-tu? Le chemin, s'il te plaît. Gérard, Youssef. J'ai entendu un bruit. Ouais. Bon bah, salut, hein. Bon gage à toi. Bon courage, Youssef. Merci. À tout à l'heure. Bon, bah à toutes. On s'éloigne un peu, tu nous appelles? Ouais, ouais. Bon bah, j'attends qu'ils s'éloignent. Hein. Parce qu'ils sont assez loin pour commencer. Bonjour. Je m'appelle Youssef. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a un nom Gérard ici. Est-ce que quelqu'un connaît Gérard ou est-ce que Gérard est là? Est-ce que Gérard est là? Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Qu'est-ce qui s'est passé le 22-2-2014? Vous pouvez utiliser la Ouija pour communiquer avec moi. Il y a des lettres, il y a les chiffres. Vous pouvez répondre par yes, no, pour oui ou non. Il vous suffit de déplacer la goutte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il n'y a pas Gérard, est-ce que quelqu'un d'autre est là? Bouffé par les insectes, à part ça. Il n'y a rien d'autre. Putain, il y a une branche qui vient de bouger. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger la branche? Pas grand chose en résultat. Moi, ça a un peu bougé, mais je crois que c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que Gérard est là? N'ayez pas peur, je viens juste pour discuter. Vous poser des questions. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, dites-moi oui et puis je m'en vais. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Ça sert à rien de rester plus longtemps. J'ai pas plus de mauvais sentiments de... Je sens rien. Je vois rien. Enfin, je... Pas peur, pas de... Je sens pas de présence. À part les bruits de la forêt, mais ça c'est normal. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Bon ben, s'il y a quelqu'un qui voulait pas répondre, je vous dis quand même au revoir. J'ai un petit mal dessus. Au revoir. J'arrête la séance là. Moins que vous voulez la bouger seule, ça serait tueur. Un peu rêvé. Bon, surtout ne suivez pas. Hein. J'ai pas besoin de ça chez moi.
Ok, débrief, Youssef, c'est parti. Alors, débrief, bah, il s'est rien passé avec la Ouija. Elle n'a pas bougé. Si, à un moment, elle a vibré, mais je sentais que c'était moi qui bougeais. Ah ouais? Ouais, ouais, à un moment, j'étais mal calé, du coup, j'ai un peu. Ouais, alors, ça, tu vois, ça. De toute façon, on le sent quand c'est nous, quand c'est pas nous. Voilà. Du coup, il n'y avait rien de spécial au niveau des réponses. Au niveau du contact, juste à un moment, si. Juste une branche qui a bougé devant moi. Je pense pas que la caméra, ça l'ait vue, mais je pensais surtout qu'on a marché. Peut-être qu'elle n'était pas stable. Rien de spécial. Mais elle a bougé comment? Bah, elle s'est levée sur le côté, en fait. Elle a bougé vraiment sur le côté, un peu comme ça. Ah, elle s'est levée sur le côté, c'est normal, genre, ça. Oui, c'est normal. Si t'as appuyé dessus, qu'elle est coincée dans une brindille, elle a juste fait ça, en fait. Tu vois. Ah, ok, d'accord. Ouais, genre, je vois. Ok, d'accord. Oui, qu'elle était mal stable. Effectivement. Ouais. J'ai même posé la question si quelqu'un avait fait ça. Bon, ça n'a pas répondu. Okay. Rien fait. Ben, voilà. T'as rien senti dans les mains, du coup, quand t'as fait le contact? Non, rien du tout. Après, j'ai eu pareil. Ce que je disais, la Ouija, c'est trop court pour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus de temps. Et même, normalement, on doit être plusieurs. De ouf, plus d'énergie. Ah, mais là, c'était pas dans les règles, bien sûr. Comme dit, j'étais pas très bien posé. Tu sais, tu penses. Et puis il y a la fatigue de la soirée aussi. Ouais, c'est aussi. Peut-être aussi. Ouais, en fait, vous, vous voyez pas la vidéo, mais entre chaque gage, on a beaucoup de marches. On est dans la forêt, il y a de la montée. Voilà, effectivement, là, je vous avoue, on est en fin de soirée, on est KO. Il reste le gage d'Amandine. Ouais. Et après. Et quasiment après, 1h du matin. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Vous vous rendez pas compte, on est venu à 21h. Longue soirée. Bah, on va tirer ton gage. C'est parti. Allez. Bon bah allez, c'est à mon tour de tirer le dernier gage. Ah mon dieu. Oh mon dieu, il en reste plus beaucoup. Non. Oh non. Attends, vas-y. C'est quoi, c'est un démio? Je te tire la boîte. Ah, c'est un détien, putain. Oh non. C'est quel? Ah, je dois appeler le diable. T'as son nul. Ouais. T'as son nul, c'est quoi ça? Petite conversation avec le diable. C'est un numéro. C'est quoi ça? C'est un numéro que j'ai trouvé en fait sur une chaîne de youtubeurs. Et ils testent en fait les appels téléphoniques. Et apparemment c'est un numéro maudit. Voilà. Je vais le tester. Ah, et tu voulais qu'on pioche ça? Mais je suis content que ça prenne sur toi. T'es folle. C'est horrible ce que tu fais. Qu'est-ce que se passe? Et il se passe quoi? Tu l'as vu? T'as regardé ou vidéo, pas... Non, j'ai pas vraiment regardé jusqu'au bout en fait. Ah ouais? Bah ouais, j'ai juste pris les numéros, je me suis cassé quoi! Ça se trouve, ils ont disparu les gens et tu le sais pas. Ouais, ils sont peut-être tous morts. Oh mon dieu, une conversation avec le diable. Eh ben, on va laisser Amandine faire le dernier gage. Mon dieu. Allez, je m'en vais, hein. À plus tard. Allez, à plus tard. Donc, en gros, là, mon gage, c'est de faire une conversation avec le numéro maudit, donc qui est le 06 06 66 66 66. Ouh, j'ai des frissons en disant ça. Je n'ai jamais testé ce numéro, je sais même pas si je vais tomber sur quelqu'un. On va tester. Oh mon dieu. Je suis en train de venir vérifier si ça file. Ah oui. Excuse-moi. Oui, c'est good. Bon allez, c'est parti. Je mets sur haut-parleur. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Le diable n'est pas disponible. Vraiment, je tombe sur une messagerie. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous voulez n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Non, laisse un message. Après le bonsoir. Bonsoir, monsieur le diable. On vous contacte parce qu'on nous a mis au gage de vous appeler. Voilà. Et on sait que c'est un numéro maudit. Alors je me suis dit, autant essayer. Mais je vois que vous n'êtes pas disponible. Le gage n'est plus le diable n'est plus disponible après minuit. Ok, bon bah bonne soirée. On vous rappellera peut-être. À bientôt. Bye. C'est un message au diable. Bon bah grave. Elle va être obligée de retirer un petit gage, hein. Il n'y en a plus. Ah si. Ah voilà. Yeux bandés, seul en four avec Ghost Tube. Allez. Avec Ghost Tube? Ouais. Ghost Tube quoi? Bah la spirit box à ton avis. Ah la spirit box, ok d'accord. Bon bah vas-y, mais je reste là alors du coup. Ah bah reste là carrément, hein. Allez. Ah, bah, par contre j'ai rien pour me bander les yeux. Tu fermes les yeux, c'est pas grave. Ok d'accord. On s'adapte, on s'adapte. C'est Pauline qui a le bonnet, elle est trop loin, je vais aller les rejoindre. Ok. Fais-toi ça un bon petit 5-10 minutes, hein, tranquillou, hein. Ok. Allez, à tout à l'heure. Bon, maquillage effectivement ne ressemble plus à rien. Fin de soirée, c'est dégoulinant partout. Maquillage il s'est barré. Paradis. Oh! Ça commence. Ok. Lucie. Bonjour Lucie. Lucie, tu veux aller au paradis ou tu es peut-être déjà au paradis?
As-tu envie de parler avec moi, Lucie? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut communiquer avec moi? Je tiens ici dans ma main une spirit box qui permet d'entendre vos mots. N'hésitez pas à fouiller dans l'alphabet. Enfin, dans le répertoire. Arrête. Arrête? Vous voulez que j'arrête de faire ça? Je suis perdue. Tu es perdue? Est-ce que tu as besoin d'aide pour passer de l'autre côté? Est-ce que je peux t'aider? Ouh, j'ai des frissons partout. Cuisine. Cuisine? Il t'est arrivé quelque chose dans une cuisine ici? As-tu autre chose à me dire, Lucie? Lucie, si tu es... Mère? Tu es une maman? C'est possible. Moi aussi, je suis une maman, tu sais. À moins que tu veuilles parler de ta propre mère. Soyez silencieux, Célia. Je suis silencieuse. Célia, bonjour Célia. Tu es donc avec Lucie, c'est ça? Quel message avez-vous à me passer? Oh putain! J'ai entendu un bruit horrible, j'ai pas eu le choix d'ouvrir les yeux. Il y a des bruits en fait, il y a la forêt juste là, je vous explique, hein, il y a la forêt là, et j'entends des bruits de ce côté-là, c'est une horreur. Ah, c'est violent. D'accord. D'accord. Si vous avez besoin de passer de l'autre côté, par exemple, vous savez, je peux vous aider. Dans ce cas, j'aurais juste à dire une prière, si vous le souhaitez. Si vous êtes d'accord, je vous laisse me dire... Bien sûr. Bien sûr? D'accord, Sandra. Très bien. Sandra? Irrespectueux. Irrespectueux? Il y a du monde avec vous qui est irrespectueux. Quoi qu'il en soit, après ce contact, même si c'est censé être qu'un gage, je ferai une petite prière pour passer. C'est la moindre des choses. Est-ce que toutes les trois, vous êtes d'accord? Je ressens une âme perdue, effectivement. Je ressens bien une âme en peine. Où suis-je? Je pense que vous êtes morte, que vous êtes de l'autre côté. Tout simplement. Vous êtes décédée de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de votre décès? Lucille. Lucille? Il y avait Lucie avant et Lucille maintenant. Est-ce que vous essayez de dire le même prénom? Je vais faire une petite prière pour les aider à passer au cas où. J'essaie de les faire passer et comme par hasard, il n'y a plus de message, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. C'est incroyable quand même. Et je crois que je suis en train d'achever mes 5 minutes, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, les voix que j'entendais, c'était là-bas. Et mes amis sont là-bas. C'est vraiment très flippant quand même. Et ben voilà, cette soirée d'Halloween touche à sa fin. Franchement, je trouve qu'on a eu des gages plutôt variés. Ouais. Et là, comme vous pouvez le voir, à nos tronches, on est clairement crevés. On a fait beaucoup de marches. Ouais. Pas trop de résultats, c'est dommage. Hein. Non, pas trop de résultats. Alors, moi, personnellement, à la fin, il y a eu quand même un truc bizarre. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu plusieurs... Bon, il y a eu des trucs qui ne correspondaient pas trop. Hein, ok, d'accord. Mais j'ai quand même eu des mots qui correspondaient dans le sens où j'entendais effectivement quelqu'un qui disait qu'elle était perdue. Oui. Elle disait où suis-je, etc. Ouais. Et à un moment donné, je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous aider quand même si c'est qu'un gage, je peux quand même faire une petite prière pour vous, pour vous aider à passer de l'autre côté si vous en avez besoin. Ouais. Et ça m'a dit, bien sûr. Donc du coup, ça m'a beaucoup répondu en fait. Et à partir du moment où j'ai fait la prière, j'ai eu aucun mot. D'accord. Voilà.
Mais tu vois, on a, à chaque fois qu'on avance un petit peu avec cette spirit box, on teste, des fois on a des choses vraiment concrètes. Bah pareil, quand tu verras la vidéo, en fait, pareil, le premier gage que j'ai fait, où j'ai fait avec, pareil, hein, avec la spirit box, c'était aussi vachement concret. Je me suis juste effrayée à un moment donné, je pense que vous le verrez. C'est vrai? Bah, en fait, j'entendais du bruit là-bas, clairement. Il y a des bruits de pas, en fait. Et de pas? Et à un moment donné, je me suis vraiment effrayée parce que j'avais l'impression que le pas était vraiment proche de moi, en fait. Ah. Donc, du coup, je pense que vous le verrez, je me suis effrayée, je pensais, ouais, franchement, j'ai vraiment flippé de ça. Donc après je me suis dit bon c'était des animaux, il n'y a rien. On s'est pas encore fait attaquer par un sanglier ce soir, mais on a encore le retour à faire. Vous étiez là-bas et que moi j'entendais les bruits de là-bas, donc c'était trop chelou, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et mais bon. Sinon c'était sympa. Et j'espère qu'on va survivre au retour. On doit encore marcher dans la forêt jusqu'à la voiture et après on sera sains et saufs de cette aventure d'Halloween. Oui. Bon, bon et bah j'espère que cette petite aventure avec nous, cette petite soirée vous aura comme d'habitude plu et diverti. Nous on va vous laisser là-dessus clairement. On va rentrer. Oui. Voilà, on est bien crevés. Bien chaud. Ouais, c'est ça. On va faire comme vous. Vous étiez bien dans votre petit canapé avec des pop-corn, un petit plaid, pendant qu'on galérait comme d'habitude. Exactement. Dans la forêt. Bon. Bah écoutez, on vous dit à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. On vous retrouve là, généralement tous les vendredis à 18h30. Et en attendant, on vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter. N'hésitez pas à nous écrire quel était le moment favori que vous avez vraiment kiffé ce soir. Ouais, et quel gage auriez-vous fait ou pas fait? Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y en aura que vous n'aurez vraiment pas fait? Allez, on vous dit à très 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 bientôt du coup. Et bonne fin d'Halloween. Bye.